Bonjour. Allô. Alors, comment allez-vous aujourd'hui par cette belle journée d'été? Ah, nous, ça va pas mal mieux. Je Oh pense qu'on oui. a pris nos airs là, pour dormir. Là, on est pas Ah mal oui, mieux, là. on était Ben oui. fatigués la Ah, dernière mon Dieu, fois. Ah oui. il paraît, il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Ah, Linda me fait bailler. Ah oui, le décalage horaire était un décalage horreur. Horreur, Ah oui, oh, c'est oui. Ah difficile. oui, c'était dur, dur, dur. Mais ça y est, alors on est ici depuis maintenant quelques temps, puis on a commencé les stages. Agréable. On a commencé notre premier stage, ben, au moment où on tourne cette vidéo, parce que demain on va aller faire le deuxième stage. Donc quand la vidéo sortira, le deuxième stage sera déjà fini, mais au moment où on tourne, on n'a fait qu'un seul de 2 jours à Sceaux, Assaut. dans les Lavandes, au pied du Mont Ventoux. Alors à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre, on va dire, un diaporama des images, des belles images de champs de lavande. On est au cœur de la lavande au meilleur moment de la floraison. Bien sûr, des gros plans, des plans plus éloignés, des paysages, des éclairages différents, beaucoup de couleurs de lavande. Alors si vous voulez prendre Des des coupures, images ouais. pour faire vos tableaux, Gênez-vous pas. voilà, allez-y, profitez-en, un beau petit diaporama. Et avec une petite musique aussi. Et puisqu'on parle de cadeaux, ben voilà aussi, je vous mets un lien, le premier lien là, dans la description sous la vidéo. Si vous voulez télécharger l'e-book qui s'intitule Palette parfaite, c'est un e-book qui vous aide beaucoup dans vos mélanges de couleurs. Et surtout, si vous allez peindre de la lavande, vous savez que ça nécessite des couleurs particulières et ce n'est pas évident. On a 12 questions aujourd'hui. Alors, on répond aux questions, oui, les questions que vous nous avez posées tout récemment. Allons-y, je Ben suis oui. prêt. Oh, Hein? mon Dieu. Une question, ça? OK. C'est pour Valérie Genet. Bonjour, Bonjour Valérie. Valérie. Elle dit bonjour, Linda et René. J'ai fait l'erreur de mettre du gesso sur une première couche de peinture à l'huile pour recommencer mon tableau. Elle demande. Que risque-t-il de se passer? Des craquements? Non, pas des craquements, plutôt, en fait, c'est que la peinture risque de ne plus adhérer. Tout ce que vous allez peindre par-dessus ce gesso qui est d'acrylique sur de l'huile, il pourrait se décoller. Imaginez, votre peinture pourrait s'en aller comme une pelure. À un moment donné, ça pourrait arriver. C'est ça le risque, en fait, c'est que ça parte. Alors, si par malheur on accroche un petit peu le tableau ici ou là, ou qu'on le frotte un peu, ça pourra s'en aller très très facilement. Donc, tout ce qui aura été mis par-dessus le gesso, finalement. Donc, tout ce qui a été mis sur cette huile. Donc, ouf, c'est problématique. Donc, si ce n'est pas trop tard, le mieux, ça serait de laisser sécher, de gratter, 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 revenir à ce qu'il y avait en dessous le gesso, poncer à nouveau. Puis, à ce moment-là, lorsque vous avez bien poncé, que vous êtes arrivé à la toile, que vous avez enlevé la peinture à l'huile qui était en dessous, à ce moment-là, vous L'excès. allez pouvoir remettre le gesso et recommencer à peindre. Mais il faut vraiment poncer beaucoup, oui. Mais elle dit par ailleurs. Je suis toujours perplexe lorsqu'il s'agit de débuter de la peinture. Elle dit, vous commencez le feuillage par le vert foncé, puis vous apportez des taches plus claires, vert clair, jaune, bleu du ciel, ce qui nécessite d'ajouter du blanc, car le jaune pâle est aussi transparent. Il vous faut aussi mettre du blanc dans le bleu. Elle a dit qu'elle perd donc son intensité. Elle dit, comment procéder pour ne pas peindre Non, pour ne peindre qu'avec des couleurs vives. Commencez par du jaune clair, du orange intense, du bleu et rajoutez du vert en laissant des couleurs vives apparaître. Voilà, donc cette question est vraiment complexe Oui, par rapport complexe. à tout ça, c'est certain. D'où l'importance des e-books comme Palette Parfaite, que je vous mets dans la description sous la vidéo, Oui. qui vous aide dans les couleurs, les mélanges de couleurs. Vous savez, si on utilise du blanc dans du feuillage, c'est pour représenter une feuille qui brille au soleil, une luminosité très intense. Effectivement, si ça brille, c'est blanc, c'est qu'on perd de la vivacité de couleur, on perd de l'intensité de couleur. L'intensité de couleur, là, la plus forte, c'est là où il n'y a pas de blanc. Donc, c'est des couleurs lumineuses, vives, oui, mais pas forcément très, très claires dans l'échelle des gris. Si vous voulez aller dans l'échelle des gris, dans les presque blancs, vous êtes obligé d'utiliser du blanc, on n'y peut rien. Un ciel bleu ne doit pas être d'un bleu trop intense non plus, t'sais. Au contraire, moi, quand je fais des ciels bleus,
pour que ma couleur ait l'air naturelle, je suis obligé de casser le bleu. Alors non seulement je mets du blanc, déjà ça fait une partie du travail, et souvent dans mon bleu, je vais mettre un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, je vais le casser pour pas qu'il soit trop intense, pour qu'il soit réel. Maintenant, si vous voulez faire des tableaux un peu plus contemporains, un peu abstraits, où le bleu va être très vif, plus intense qu'un vrai ciel, à ce moment-là, vous pouvez mettre un bleu plus pâle, acheter en tube, et ne pas rajouter de blanc, vous allez avoir beaucoup d'intensité. Donc, dans toutes ces couleurs-là que l'on fait par mélange, si vous voulez les obtenir beaucoup plus intenses et sans ajouter de blanc qui va rendre votre couleur plus terne, il va falloir acheter des tubes de peinture de la couleur souhaitée et ne pas faire de mélange avec, parce que dès qu'on fait des mélanges, la couleur devient moins intense. Ça, c'est obligé. Voilà. Ok, on continue. C'était sur la vidéo, l'incroyable pouvoir des formes géométriques. Ah oui, oh, le pouvoir. Okay. The power. Ok, c'est Marie Chet. Ben, c'est CH. Marie. Bon, bonjour Marie. Tout court. Bonjour Marie. Je vous salue Marie. Comment ça? Alors, rien à faire rire, hein? Ah ouais, ben. Elle est joyeuse. Ben oui, je marie un clown. On va l'appeler la joyeuse Linda. Mais le monde aime ça quand il me voit dire oui. Joyeuse. Ok, elle demande. Elle dit, des fois aussi, elle est au bain Marie. Hein. Marie. Et la piscine est juste à côté. Ok, tu me laisses poser la question. Vas-y, pose la question. Bon, Marie demande. Elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça balance. Ok. Bon. Est-ce que cette technique peut s'appliquer aussi à l'aquarelle? Alors, c'était quoi la question? Je plaisante. Je m'en souviens. Oui, alors non, oui, non. Le problème, c'est ça, c'est que, bon, dans cette vidéo, je montre comment, on va dire, simplifier avec des formes géométriques le départ de la construction du tableau. Vous avez vu, je mets une couleur très pâle, une couleur très foncée ici. Et donc, ce sont des choses qui vont disparaître après. Parce que petit à petit, on superpose d'autres couleurs, d'autres valeurs. On ajoute. On superpose des choses opaques qui vont cacher ce qui était en dessous. Et l'opacité n'existe pas en aquarelle. Donc, vous ne pourriez pas faire la même chose en aquarelle. Vous ne pourriez pas revenir mettre des petites taches de lumière dans mon feuillage si au début, j'ai fait une forme géométrique foncée. Vous voyez, donc cette méthode-là est impeccable pour l'huile et l'acrylique. Mais pas du tout pour l'aquarelle, vous pouvez pas faire ça avec l'aquarelle, malheureusement, je suis désolé. Marie. On continue avec Émilie. Bonjour, bonjour Émilie. Si je viens vers vous, c'est pour savoir si certains de vos conseils en général, et pas spécialement pour cette vidéo, sont applicables aussi pour l'aquarelle. Non. Parce qu'elle n'a pas, ouais, non, elle pas aucune connaissance des médiums que vous utilisez. Oui, on parle encore de cette vidéo-là. Oui, sûrement. Donc voilà, c'est ça, non. Effectivement, moi, j'ai utilisé, pour faire ça, j'ai utilisé l'acrylique, hein, il me semble. Dans cette vidéo, oui, j'ai fait ça en acrylique. Ça peut très bien se faire à l'huile. Bien sûr, des fois, la superposition des couches va nécessiter un séchage complet. Donc, selon le cas, à l'huile, il va falloir attendre que ça sèche complètement avant de revenir faire les autres choses. C'est pour ça que je l'ai fait en acrylique. Ça me permettait de revenir tout de suite dessus. Mais non, effectivement, l'aquarelle, on ne peut pas faire ça en aquarelle, malheureusement. Désolé. OK. À la gouache, oui, par contre. Ah oui? Oui. Ah, okay. Oui, parce que la gouache est opaque. On peut recouvrir ce qui est en dessous. Donc, je peux venir mettre une lumière là où j'ai mis du foncé, contrairement à l'aquarelle, oui. On continue pour la vidéo conseils pratiques pour simplifier vos peintures. Oui. OK. Mais je ne suis pas sûre si c'est le bon nom que j'ai pris. Probablement, je me suis trompée en. Parce que parfois, j'efface. Excusez. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous appeler. Tu as perdu les questions. Oui, j'ai perdu les questions. Elles sont ici, voilà. Ah, OK. Bon, j'espère que ça ne se rappellera pas. Oui, j'espère surtout que ça a coupé l'appel. Oui, OK. C'est Gianna Lyon. Je ne suis pas sûre si c'est vrai. Gianna, non? Peut-être Gianna Lyon. Bon. Bonjour, Gianna. Elle va se reconnaître. Oui, oui. Elle dit bonjour et merci beaucoup pour cette vidéo très intéressante, très originale dans le sens où, pour ma part, c'est la première fois
que je reçois de tels conseils, notamment de mettre son tableau à l'envers. Oui, OK. Avec une question, s'il vous plaît, pour vous, et avec mes remerciements anticipés pour votre réponse. La question. Quels sont, selon vous, les 3 magazines de peinture que vous conseillerez de lire pour apprendre à s'améliorer? C'est une question. Alors d'abord, pour remettre dans le contexte, c'est une ancienne vidéo YouTube dans laquelle je montrais que, pour peindre mieux des fois, on mettait le tableau à l'envers, bien sûr, le modèle à l'envers, et ça nous permettait de le voir différemment et de pouvoir simplifier un petit peu plus. Mm-hmm. Contexte, c'est ça. Pour répondre à la question, les magazines... On en connaît quand même. Ouais, donne-moi les titres. Elle connaît la pratique des arts, plaisir de peindre, pratique de la peinture. Oui. Plaisir de peindre, oui. Plaisir de peindre, j'ai moi-même un tutoriel dans un des magazines, ouais. Plaisir de peindre, pratique des arts, tout ça. En fait, regardez, dans ces magazines-là, on peut apprendre à peindre, mais ce sont des images arrêtées, des photos de certaines étapes et un mode d'emploi ou des choses comme ça. C'est un peu comme des articles de blog sur Internet, finalement. Vous allez sur notre blog, vous allez voir des articles. Il y a quelques petits étapes par étape comme ça. C'est un peu comme les pas à pas dans les cours, mais résumé à quelques mots, quelques images par étape. Je vous dirais, c'est bien, mais c'est limité toujours. Ça ne vaut pas vraiment des cours. Si on parle pour apprendre ou pour progresser, il vaut mieux de véritables cours. D'ailleurs, on le voit avec les stages en ce moment. Les personnes nous disent que les cours en ligne sont super. Quand on est en présentiel comme ça, c'est la même chose, mais mieux parce que finalement, je peux réagir à ce qui se passe sur la toile de l'élève sur le moment, là, présent. Mm. Ben, un peu comme on fait avec les corrections en ligne aussi. Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment une présence qui est là. Moi, j'ai appris avec ces méthodes-là, avec des livres ou des magazines comme ça. Et parce que j'ai appris avec ces choses-là, je me dis autodidacte pour cette partie-là. J'ai commencé autodidacte parce que j'ai appris à peindre qu'avec des magazines ou des livres comme ça. Après ça, j'ai suivi des cours auprès de professeurs et à l'université, donc aussi en présentiel. Et là, je ne suis plus autodidacte. Je peux dire, j'ai suivi des cours, j'ai vraiment appris. Ben oui, tu t'es amélioré aussi. Et ça, c'est ça exactement, parce qu'on est, on n'a pas tout dans les livres, tout ça dans les magazines. Par contre, ça peut vraiment donner des idées et élargir l'esprit énormément. Alors, des magazines, lesquels je préfère? Je n'en connais pas vraiment. Moi, les magazines que j'ai achetés vraiment... Pièces de peindre, je le dis. Plaisir de peindre, oui, pratique des arts aussi, j'en ai acheté à l'époque. J'ai acheté, bien sûr, mon Dieu, comment ça s'appelle? Un magazine québécois, c'est Artiste Magazine, je pense que ça s'appelle, où ce sont des artistes peintres québécois qui ont des petits reportages dedans, mais c'est vraiment, c'est bien pour apprendre sur les artistes, leur parcours, leurs influences, qu'est-ce qu'ils font, tout ça, c'est inspirant. C'est inspirant et ça peut nous aider aussi, nous guider dans notre démarche personnelle par rapport à tout ça. Mais bon, ça, c'est pas ça qui nous fait vraiment progresser, hein. Ça nous ouvre l'esprit, tu sais, surtout, c'est ça qu'il y a, c'est que ça nous ouvre l'esprit. On voit qu'il y a, on peut faire ça. On continue avec Patricia Larivière. Bonjour Patricia. Elle dit qu'un peintre m'a dit que ce n'est pas le soleil qui sèche la peinture à l'huile, mais c'est l'air. Elle dit qu'elle met ses toiles à sécher entre le volet et la fenêtre. Mais bon, est-ce que j'ai la bonne méthode? Et c'est vrai, c'est pas le soleil qui fait sécher la peinture, c'est pas la chaleur du soleil. C'est l'oxygène. L'oxygène, donc l'air, au contact de l'huile de lin, ben ça va oxyder l'huile de lin qui va petit à petit durcir. Vous savez, si vous avez des vieux tubes de peinture à l'huile, vous allez voir autour du bouchon, du pas de vis, des fois vous allez avoir des petites boules d'huile de lin durcie. C'est comme ça que la peinture sèche, c'est cette huile de lin qui durcit, au contact de l'oxygène. Mais attention, après ça on met des additifs, des médiums, ok? Si on met de l'alkyde, du médium alkyde, comme du lichen ou le galkyde ou le médium alkyde de le framboisois, ça modifie la molécule, ça n'est plus de la peinture à l'huile, c'est de la peinture alkyde. Et là, ce qui va l'aider à sécher, ce n'est plus l'air ou l'oxygène, ce n'est plus une oxydation, ça va être un séchage par évaporation. Et je l'ai vu par expérience,
ça sèche plus à la chaleur. Donc si je mets ma toile au soleil, parce que j'ai peint à l'alkyde, elle va chauffer au soleil et elle va sécher plus vite. Maintenant, pour une peinture traditionnelle à l'huile de lin, les artistes peintres de l'époque, les impressionnistes entre autres, mettaient leur toile au soleil, non pas pour les faire sécher, mais pour occasionner cette modification de couleur qui va survenir au soleil. Certaines peintures sont plus fragiles que d'autres à la lumière du soleil et vont changer de couleur ou de teinte. Et ils faisaient ça pour que justement, si votre peinture doit changer de couleur au soleil, qu'elle le fasse tout de suite. C'est un peu ça leur procédé. Qu'elle le fasse tout de suite parce qu'après ça va être problématique. Parce que si je mets ma toile sur un mur qui est en partie au soleil de la journée et l'autre partie qui ne sera jamais au soleil, qui sera toujours dans l'ombre, ma toile va changer de couleur juste dans la partie au soleil. Si je mets les toiles contre un mur les unes devant les autres, qu'il y a un bout de toile qui dépasse d'une autre, cette partie-là, si elle est au soleil, va changer de couleur, mais pas l'autre partie du tableau. Ça va faire drôle, vous allez avoir un ciel bleu qui là va être un petit peu plus jauni et là non, voyez ? Donc le problème pourrait survenir sur les tableaux, donc pour éviter ça, il la mettait au soleil et la peinture, si elle devait changer de couleur, elle changeait entièrement là. Voilà, c'était un peu ça le principe. Voilà pourquoi des fois on dit qu'il faut mettre les toiles au soleil. Est-ce que c'est bien de les mettre derrière les volets, à la fenêtre, c'est merveilleux, oui. Mais si vous les mettez au soleil, ça ne l'empêchera pas de sécher par le contact de l'air. Elle ne séchera pas plus vite parce qu'il y a du soleil. Elle va sécher pareil que s'il n'y a pas le soleil. Voilà, mais c'est sûr que le soleil peut influencer la modification de la couleur. Voilà, je pense qu'avec ça, vous devez maintenant savoir comment sécher une peinture à l'huile qui ne contient pas de l'alkyde aussi. On continue avec User, avec un numéro. Là. Bonjour. Bonjour, User NS9TH1EQ2N. N. OK. Il ou elle dit, j'utilise le médium alkyde de Lefranc-Bourgeois dans mon mélange 50% d'huile d'essence. Le séchage est plus rapide. Oui. Au sujet des pinceaux, est-ce qu'il faut les nettoyer le plus rapidement possible en utilisant que de l'alkyde? Oui, si j'utilise de l'alkyde, il faut faire attention. Il ne faut pas laisser sécher le pinceau. Hein? Non. Donc moi, quand je travaille à l'alkyde, le pinceau, je laisse tremper dans la térébenthine le temps que je fasse mon tableau. Dès que le tableau est fini, je le nettoie bien à la térébenthine et je vais le laver au savon tout de suite. Mm-hmm. Je ne vais pas attendre parce qu'effectivement, ça pourrait sécher. Mm. Oui. On continue avec Mireille Claudon. Bonjour, bonjour Mireille. Mireille. Je ne sais pas si cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais j'ai rencontré un problème pour rendre le raccourci des feuilles tourné vers l'avant en voulant peindre des fougères sur un mur de pierre. J'ai finalement contourné la difficulté en faisant des feuilles en rosace? Oui, en rosace. Oui, en haut, en bas et tourner un peu dans toutes les directions. Mais j'aimerais apprendre comment rendre cet effet 3D des feuilles qui viennent vers l'avant du tableau. Elle demande comment faire l'effet du 3D. En fait, encore une fois, à la question comment, je ne peux répondre que... comme vous le voyez. Hein? Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Lorsqu'on est en trois dimensions avec un sujet qu'on a sous les yeux, mm-hmm. on se demande comment je fais pour faire ce raccourci-là, que ça vienne vers moi. Ouais. Si vous prenez la photo de ce qui vient vers vous, ça ne vient plus vers vous, c'est une photo, et une photo, c'est plat. Donc, tout ce qu'il y a, ce sont des couleurs, des valeurs et des contours qui vous donne l'impression que ça vient vers vous, mais ça ne vient pas vers vous. Non. C'est une impression. Donc, si vous arrivez à bien déterminer ces valeurs, ces couleurs, ces contours, contours plus flous, contours plus découpés, si vous arrivez à les déterminer et à les imiter dans votre peinture, lorsque vous regardez votre tableau, vous direz, ah ben oui, tiens, on dirait que la feuille vient vers moi. On dirait qu'elle est en raccourci. Ce sont juste des impressions. Non. Donc, pour le faire, il faut le voir, observer et le faire comme on le voit et ça fonctionne. Mm. Maintenant, est-ce que je pourrais faire un cours qui montre comment le faire? Oui, bien sûr. Mais tu l'as déjà fait? Peut-être pas pour des feuilles. Non, pas pour des feuilles, mais tu l'as fait comme en 3D, tu sais que ça sort du tableau. C'était quoi que tu avais fait, là? Tu ne me rappelles pas? Oui, tu avais fait comme quelque chose qui sortait du tableau. Ça se peut. Oui, oui.
ma mémoire. Je fais tellement de choses. Mais oui, pourquoi pas les feuilles? Ah, mais là, c'est parce qu'après, on pense à... Ah oui, je me souviens, Bob Ross, il prenait une couleur, une autre couleur sur le pinceau. Il donnait un coup de pinceau comme ça, puis tu avais l'impression que la feuille, elle tournait, tout ça. Mm. C'est sûr, ça doit le faire aussi. Mm. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une couleur sombre, une couleur pâle, mm-hmm. avec un mouvement qui va faire que le pâle va venir sur le foncé ou l'inverse, avec un découpage net ici, un flou par là, vous voyez? Et effectivement, on peut donner ces impressions-là. Alors, je pourrais très bien faire une vidéo où j'observe, je montre comment observer une feuille qui est en raccourci ou plusieurs feuilles en raccourci et comment la reproduire avec la peinture mm-hmm. et comment peut-être trouver, on va dire, un geste qui va être fait avec une certaine couleur, bien sûr, foncée et pâle, et un coup de pinceau. Avec un coup de pinceau, un seul, comment reproduire cet effet-là mm-hmm. On peut aussi, on peut le faire, oui, c'est un peu comme de la manipulation, de la prestidigitation, mais ça marche. On peut le faire, oui. Ben, ça serait bon, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont, pour les paysages, c'est comme qu'elle dit, en évitant que le résultat soit plat. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Le but, il est là. Ouais. Le but, c'est qu'on ait l'impression que ça vienne vers nous, que ça s'en aille en arrière, que ça creuse, tout ça. Ça donne des effets tridimensionnels importants. Et votre peinture, au lieu de paraître plate, elle paraît en trois dimensions, effectivement. Oui. Souvent, c'est ça, c'est les valeurs. La plupart du temps, c'est les valeurs, les foncés versus les pâles. Et le découpage des contours aussi, oui. Moi, je te vois aussi à trois dimensions. Tant que je ne suis pas allongé sur un lit, je ne suis pas plat. Non. On continue avec Déborah Claveré. Bonjour Déborah. Je constate que vos cours m'ont permis de nettement m'améliorer et d'apprendre une multitude de choses que seuls les académiciens connaissent. Super, ben, je suis bien content. Et vraiment, merci de partager votre savoir pour des personnes comme moi qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'académie. Je voulais juste vous demander, lorsque vous expliquez ici les règles à retenir pour faire des reflets, de parler un peu moins vite ou de mettre un petit résumé écrit de ce que vous expliquez. Ah, oh, tu parles trop vite? Oui, je parle très vite. Moi. Je comprends que pour vous, tout cela va de soi, mais bien quand sûr. Même, parfois, j'ai du mal à suivre. C'est peut-être mon cerveau qui est trop lent, mais bon, voilà. Je tenais simplement à vous le dire. Encore merci pour tout relire. Oui, bien, merci beaucoup pour tout ça. Mais alors, j'ai un petit truc pour vous. C'est que lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, ce ne sont pas des cours. Ce sont des extraits de cours, ce sont des trucs, des astuces, ce sont des... C'est pas ça un cours de peinture. Pour avoir un cours de peinture, un vrai cours de peinture, il faut vous inscrire à notre formation. Et là, vous allez voir, ça va plus lentement. On a des cours qui vont durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. C'est plus des 10 à 20 minutes de vidéo sur YouTube, vous voyez. Donc, vous pensez voir des cours, mais ce ne sont pas des cours. Je suis désolé. Mais vous pouvez toujours, sur YouTube, mettre la vidéo au ralenti. Vous avez un petit bouton exprès, une petite roue crantée, vitesse de lecture, vous pouvez ralentir. Oui, ou et sinon, vous pouvez aussi faire apparaître le sous-titre. Le sous-titre. Voilà. C'est merveilleux. Vous pouvez mettre la vidéo jusqu'à 2 fois plus lentement avec un sous-titre qui va avancer à ce moment-là. Il va parler moins vite. Plus doucement. OK, on continue avec Camille. Bonjour Camille. Elle a dit « Bonjour René, que pourrais-je prendre pour la peinture soluble à l'eau pour mélanger? Est-ce qu'il y a un médium car je ne vais plus peindre à l'huile ordinaire vu qu'elle est allergique? » Oui, ben vous avez tous les médiums pour peindre qui sont à l'huile traditionnelle. Vous les retrouvez aussi pour la peinture à l'huile hydrosoluble, donc dans la marque Cobra, entre autres, ou Artisan. Je pense que c'est ça, Cobra ou Artisan. Mm-hmm. Font les produits à peu près, vous avez à peu près identiques à la peinture traditionnelle. Donc vous avez l'huile de lin soluble à l'eau, vous avez plus besoin de diluant, mais sûr, c'est de l'eau, pas de térébenthine, c'est de l'eau. Vous avez des médiums, je pense, à séchage rapide maintenant pour la peinture hydrosoluble. Donc, vous voyez, vous pouvez y aller vraiment avec des produits de la même marque que vos peintures hydrosolubles ou l'autre marque. Je ne sais pas, je sais qu'il y a Artisan, Cobra, donc il y en a un, c'est Winsor-Newton, l'autre, je ne sais plus rien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y en a d'autres aussi qui font ça. Pourquoi Sennelier ne ferait pas ça ou le Frambourgeois, Talence. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas parce que... Ben, peut-être qu'il y en a ceux qui nous lient,
il pourrait leur dire, le dire, oui, l'écrire. Si vous avez des connaissances là-dessus, s'il y a des nouveaux produits qui sont sortis, oui, pourquoi pas. Peut-être pas essayer. Mm-hmm. Okay, on continue avec Patricia Abadi. Bonjour Patricia. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire, pour un vernis définitif, quel produit choisir? Vous savez, moi, je pense que je n'ai jamais vraiment verni un tableau avec un vernis final, qu'on appelle, parce qu'il faut l'appliquer dans 6 mois, 1 an plus tard pour des peintures à l'huile. On parle de peintures à l'huile, là. Mm-hmm. Mais je sais qu'il existe... Il existe chez Krylon, hein, K-R-Y-L-O-N, chez Sennelier, je sais qu'il existe des vernis, donc final, pour la peinture à l'huile, vernis mat, satiné ou brillant. Il y a peut-être d'autres marques qui le font aussi. C'est sûr, si vous allez dans les marques connues, vous allez avoir des bons vernis, c'est certain. Si c'est un vernis final, alors définitif pour la peinture acrylique, oui, j'en ai déjà utilisé. Moi, je prends des vernis de Liquitex, brillant ou lustré ou ultra brillant aussi, ça existe, que j'applique au pinceau. Ils sont liquides, en bouteille, là. Mat, il y a mat, il y a brillant, très brillant, ultra brillant. On applique ça au pinceau, ça va très très bien pour la peinture acrylique. Mais je n'utilise pas des vernis en bombe pour la peinture acrylique, qui sont aussi pour l'huile et l'alkyde. Parce que cela, après, on ne peut plus peindre dessus. S'il y a un problème, on ne pourra pas. Vous ne pouvez pas retoucher le tableau, il faudra le décaper. Décaper le vernis pour éventuellement retoucher le tableau si des fois il arrivait un accident. Comme ça peut arriver parfois lors d'un déménagement ou des travaux ou autre, on ne sait jamais. Voilà pourquoi je n'utilise pas de vernis final. Comment c'est qu'elle dit un vernis définitif. Définitif. On continue avec Noël Le Brachet. Bonjour Noël. Puis-je terminer un tableau commencé il y a plusieurs mois avec de la peinture diluée à l'essence de térébenthine avec le médium alkyde dont vous parlez? S'il était dilué qu'avec de la térébenthine, plusieurs mois, oui, il n'y a pas de problème. Je pense que tant qu'il n'y a pas eu de l'huile de lin qui a été rajoutée pour finalement un petit peu... on pense que ça va accélérer le séchage, mais ça va aussi le retarder, puisqu'on sait qu'à l'huile de lin, ça va sécher dans 6 mois à 1 an. Ça a été fait il y a plusieurs mois. S'il y avait suffisamment de diluant... Excusez, hein. Ah ben ça, c'est une alarme. J'ai mis des alarmes. Là, ça, c'est le téléphone à René, il est trop populaire. Il y a des appels, il y a des alarmes. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Si vous avez peint avec uniquement de la térébenthine et suffisamment pour que la peinture soit bien diluée et qu'elle est vraiment sèche au toucher. En fait, vous savez, quand on peint grasse sur maigre, peindre avec que de la térébenthine, c'est peindre très maigre. Ah oui. Très maigre. Donc, vous êtes vraiment dans les couches qui vont sécher vite. Plusieurs mois, moi je dirais avec l'alkyde, il n'y aurait pas de problème, ça devrait aller, oui. Puis on finit avec Thierry Philippe. Bonjour Thierry. Bonjour, pour les pinceaux, quels poils sont les... Ben, il dit son préféré, là. Qu'est-ce que tu penses qui est les meilleurs? Pour les... Alors les pinceaux, le poil, vous savez, moi je peins beaucoup avec de la soie de porc, mais c'est des pinceaux de très bonne qualité, des connoisseurs, qui tiennent bien, ils ne s'abîment pas. Il reste bien coiffé, puis je peux faire autant de l'huile ou de l'acrylique avec, parce que c'est une, pour moi, c'est la meilleure qualité de pinceau, ou du moins, c'est celle qui me convient le mieux, plutôt, je dirais. Donc, c'est de la soie de porc, mais qui va très bien pour moi. J'ai d'autres pinceaux en soie de porc que je déteste. Ils s'écartent de suite, ils ne tiennent pas bien, on met beaucoup de peinture, ils sont trop mous. J'ai des problèmes avec cela, je ne veux plus m'en servir, sinon, pour... faire des effets spéciaux là, mais je peux pas peindre vraiment avec des pinceaux en synthétique. J'en utilise aussi comme les Evergreen de chez Sennelier. Non, Rosemary & Co. Ah, okay. Parce que c'est des pinceaux synthétiques pour l'acrylique, je les aime bien parce qu'ils ont une certaine fermeté. Mais là encore, des pinceaux en synthétique, j'en ai eu des pourris là. On a eu 2-3 coups de pinceau, puis les poils après ils faisaient comme ça, ils s'ouvraient. Ou alors qu'ils sont trop mous. Hein, l'écureuil, c'est très, très mou. C'est juste bon pour l'aquarelle, ça, vous voyez. Donc, c'est très difficile. Je ne peux pas vous donner un poil en particulier. Dans certaines marques, la soie de porc est bonne, les synthétiques aussi. C'est comme les Royal Nickel, mais les bons, pas ceux qui sont fabriqués en Chine, mais ceux qui sont fabriqués aux États-Unis ou au Sri Lanka, je pense. Là, il y a des bons pinceaux, Royal et Lang Nickel. Mais tu sais...
faut les connaître, hein, c'est pas évident. Moi, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les pinceaux. Justement, il y a un test, un comparatif sur ma chaîne YouTube, un comparatif des pinceaux. Et j'en ai une autre qu'on a faite en Corse il y a 2 ans, où là, je montrais les pinceaux, justement, les, je pense que c'est Jackson Art, Black and White, Jackson Art, qui sont très bons aussi. Il y a des Isle of Art qui sont bons aussi. Il y a des, écoutez, je ne pourrais pas tous les nommer, je ne m'en souviens plus, des Lasco. Allez voir dans YouTube, vous tapez, je sais pas, René Milon, test comparatif pinceau. Je pense que vous devriez tomber dessus. Et vous allez voir certainement ce que j'ai essayé. Je fais des tests, je vous les montre, hein, leur solidité, etc. Et ça va vous permettre de faire votre choix, on va dire, plus éclairé. Et c'est tout. On a fait 12 questions aujourd'hui. Oui, 12 questions. Mais il y en avait encore, mais on va s'en garder pour probablement la semaine prochaine. Oui. On ne l'a pas dit, mais là, aujourd'hui, nous sommes à Apte. Non, on est à Saint-Saturnin-les-Aptes, juste à côté de Apte. Parce que demain, on va faire donc, le stage dans les ocres. Vous savez, il y a les ocres, le Colorado Provençal à Russerelle, il y a Roussillon, les carrières d'ocre de Roussillon. Et là, on s'en va dans des toutes petites carrières d'ocre qui s'appellent le Petit Colorado, qui se trouve à Bruyères, les ocres de Bruyères, près de Villars, le petit village de Villars. Et donc, on va les peindre ces belles couleurs-là. Un peu, ça fait penser à Cézanne, lorsqu'il peignait la bauxite près des mines de Bibémus, près d'Aix-en-Provence. C'était rouge, là ça va être plus jaune, mais un peu le principe des couleurs assez spéciales. Et vendredi, on va aller à l'abbaye de Sénanque et nous croisons les doigts pour qu'il ne pleuve pas, parce qu'ils annoncent peut-être un petit peu des orages. Mais on va voir, ça peut changer d'ici vendredi. Ben ouais. Ça dépend des stations météo, ils n'annoncent pas la même chose. Alors voilà, donc on va vous laisser là-dessus. Sur les images. On va vous laisser sur les images de la lavande, la belle lavande. On va essayer de vous mettre les odeurs avec. Ah, le chant des cigales. Oui, non, mais pas les cigales aussi. C'est que quand on a fait le stage, avec les chants, on les entendait les travailler. Abeilles. Oui, les on abeilles. Les entendait. Le bourdonnement intense des abeilles, puis on les voyait voler partout autour. Moi qui ai peur des abeilles... Pas là, ils viennent pas sur toi. On n'en a aucune qui est venue nous embêter, elles étaient vraiment trop occupées. C'est ça qui est merveilleux dans les lavandes, on peut même passer dans les champs là. Elles nous a... On n'est pas du tout inquiété par les abeilles, qui sont très nombreuses, mais elles ont du travail, puis on les remercie beaucoup parce que le miel est délicieux, surtout le miel de lavande. Ouais. Achetez-en du miel de lavande et gardez-le pour l'hiver, vous allez voir que vous serez plus malade. C'est bon pour les voies respiratoires. Ah oui. Oui, ben oui. C'est peut-être bon pour les massages, mais ça colle un peu. Mon Dieu! Je ne te ferai pas un massage à ça, toi. Oh. Au miel de lavande, oui. Ah là, je laisse, là, puis toutes les mouches vont venir se coller après toi. Allez, on vous laisse là-dessus, on vous embrasse, et puis on vous dit mais à très bientôt pour d'autres réponses à d'autres questions. Allez-y, posez des questions. Oui. Bye-bye.